Avec 6 semaines d'attente, il y a eu finalement le wipe pour la version 0.10.5.2124 et avec l'arrivée du Free Market. Et c'est pourquoi j'ai fait la vidéo. Je vais vous montrer un peu le fonctionnement de ce petit business en fait. Donc il suffit de lancer le jeu, aller dans Trading. Donc là, normalement, vous allez voir vos dealers. Et en haut, au milieu, vous avez Free Market. Donc en fait, c'est une sorte de grand magasin en ligne. Qui peut se faire soit sous forme d'enchères, soit d'achat immédiat, en fait. Vous pouvez vendre vous-même vos items. Donc là, vous voyez, j'ai mis 1 sur 2. Tout à l'heure, j'avais 1 sur 3, mais je pense qu'il y a une sorte de fonction de ratio, en fait, par rapport à ce que vous mettez, si c'est des grosses valeurs ou pas. Normalement, c'est 3 items que vous pouvez mettre. Donc moi, vous voyez, j'ai mis une forte armoire depuis tout à l'heure. Ça fait 4 heures qu'elle y est, 3-4 heures, donc elle part pas, apparemment. Mais déjà, depuis la mise à jour de ce matin, qui a eu vers 10 heures, j'ai réussi à vendre des objets qui n'avaient pas de grande valeur, comme une M4 par exemple, enfin c'est une grande valeur d'en trouver une, mais j'ai réussi à les vendre unité à 500 000 de roubles en fait. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai acheté beaucoup d'items de quête, hein, c'est pour ça que j'ai que 600 000, j'ai 7 000 dollars, parce qu'en fait j'ai déjà fait genre 6-7 quêtes, grâce à ça en fait j'ai acheté des items, parce que je suis un gros feignant, donc voilà, donc j'ai pas beaucoup de thunes, mais voilà. Donc, comment ça marche? Voilà, donc là vous avez déjà tous les objets du jeu. Et admettons, vous voyez, pour une quête, je veux du gaz analyseur. Vous mettez gaz. Il y a 11 gaz analyseurs, 11 personnes qui vendent du gaz analyseur. Donc, bon là, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de bugs. Hein. Il est vraiment bugué, les serveurs sont pétés. Donc moi, tout à l'heure, quand j'ai joué, c'était il y a 4 heures, j'ai trouvé des gaz analyseurs à 100 000. Donc, parce que les gens, à mon avis, n'étaient pas vraiment avancés dans leur quête. Donc voilà, vous voyez, donc on peut voir que il y en a pour 500 000 là, 450 000, 300 000, 200 000. Donc voilà. Et là, ce que vous voyez, les trois ici, c'est pour des enchères. Donc quoi ouais, en fait, ils demandent en échange des salewa, 4 salewa contre un gaz analyseur. C'est super bien fait en fait. Plus besoin de passer par le Discord, c'est nickel. Donc. Ce que vous pouvez faire aussi, si jamais vous n'avez pas ce qui vous plaît dans les listes, par exemple, regardez, pour les quêtes, les débuts de quêtes, pour ceux qui connaissent, les 3M. Vous mettez armor, module 3M body mort, tu vois. Là, tiens, lui, il en vend une. Tiens, je l'achète. Ah, tu vois, déjà vendu, toi, elle était pas cher. C'est dommage. Donc voilà, par exemple, s'il y a un truc qui vous plaît pas, qui vous avez pas, ou les prix qui vous plaît pas, vous pouvez toujours sélectionner un article et le mettre dans votre whitelist, en fait, la liste blanche, en traduction littéraire. Et donc après, vous avez une sorte de raccourci, en fait, carrément, tu vois. Moi, je l'ai mis dans le whitelist, c'est le seul que j'ai mis. Et en fait, tu vas avoir directement les armors, en fait, 3M, directement, plus besoin de taper le nom, en fait, c'est une sorte de raccourci, c'est super, en fait. Donc, les achats que vous faites, ça impacte aussi via les dealers. Vous savez, vous avez des objectifs à respecter. Vous voyez, le jeu vient de sortir. J'ai déjà dépensé 934 000 pour Thérapiste. Alors que le jeu, la version est sortie il y a à 10h du matin. Quoi. Et en plus, sans compter les bugs et tout, moi je suis déjà niveau 6. Voilà, je suis niveau 6. Donc c'est énorme en fait, tu vois. 818 000 pour lui, 34 000, 664 000. Enfin, c'est énorme en fait. J'ai dépensé beaucoup d'argent déjà. Donc c'est pas mal, ça booste énormément, en fait, plus besoin de faire tout ça, vous savez, de vendre, d'acheter pour augmenter vite. Donc voilà, vous trouvez un peu de tout, tout et de rien, enfin non, surtout tout en fait, vous avez surtout tout, vous voyez les clés là. Regardez, vous avez Kiba, regardez, pour rigoler, pour ceux qui sont connaisseurs. Donc là, Kiba, c'est pour l'instant, quand c'est grisé comme ça, c'est que c'est vendu par le jeu, en fait, et vous allez, dans 55 minutes, vous allez avoir un stock disponible, donc très 100, vous allez avoir 100. Donc je sais pas combien il y a de joueurs sur les fronts de Tarkov, mais c'est énorme. Donc en fait, dans 55 minutes, il va falloir se pointer. Et allez-y. Et en fait, ça va jouer aux enchères, en fait. Ça va partir du comme des petits pains. Comme des petits pains. Vous avez tout. Vous avez aussi un nouveau truc qui est arrivé dans la mise à jour, c'est le Handbook. Donc c'est à peu près, c'est un livre, en fait, un peu comme un Pokédex, pour ceux qui aiment bien Pokémon. Et qui regroupe un peu toutes les choses que vous avez découvertes par vous-même dans le jeu. Donc en fait, plus vous allez découvrir, plus ça va se cumuler. Et donc voilà, après vous avez un descriptif, hein, vous pouvez voir. Et là je vais vous montrer rapidement la nouvelle arme qui est sortie dans le jeu, le MPX, le MP7A1. Voilà, c'est une nouvelle arme, un nouveau PM qu'ils ont mis dans le jeu. Donc je l'ai pas encore eu. J'ai eu la chance de le voir, mais j'ai pas testé.
On m'a tué avec, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, quoi. Vous avez tout, hein, c'est descriptif, etc. Enfin, comme si vous faites inspecter, en fait, tout simplement. Mais je trouve que ce flou market là, ça va vraiment nous faire un grand soulagement pour les si on est vraiment flemmard et qu'on a beaucoup d'argent, qu'on veut acheter un item, voilà, c'est vraiment super en fait. Donc vous pouvez vraiment tout voir, hein. Vous voyez, il y a tous les joueurs, les noms des joueurs, les réputations que ça gagne, l'argent, le temps qu'il y a. Donc vous voyez, regardez, je vais faire un exemple. Allez, admettons, j'ai envie de faire un truc, voilà. Donc voilà, regardez, mon stash, il est comme ça, il est très vide, hein. Que je me suis fait poutrer pas mal. Donc admettons, regardez, on va faire un truc simple, je sais pas. Allez, ça. Donc là, vous voyez, il y a le minimum, l'équivalent et le maximum. Donc ça, c'est bien sûr, c'est abusé, hein. Mais moi, juste pour le délire, pour vous montrer un peu un exemple, voilà. Je vais le mettre à 10 000 roubles. 10 000 roubles, juste comme ça, juste pour l'exemple. Donc après, vous pouvez demander donc en USD, en dollars, en euros, en machin, ou carrément demander des échanges. Donc voilà, si vous voulez des objets, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous mettez ça et puis bah, les joueurs doivent vous. C'est de l'échange quoi. Moi j'ai demandé de l'argent. Donc il suffit juste de faire ça. Donc, la priorité des offres, en fait, si vous voulez que ça apparaisse en top list. Donc moi, vous payez de l'argent un peu plus, tu vois. Les taxes et le truc. Et après, là c'est offert. Voilà. Et là, du coup, là je suis au dodo maximum. Donc bien sûr, là vous avez des filtres, hein, ça c'est normal. Et puis après, bah en fait, si jamais quelqu'un achète votre item, vous allez tout simplement recevoir une petite notification en bas de votre écran, au milieu, en blanc. Et après, dans Messenger, vous allez recevoir un message et il va y avoir des choses à acheter, en fait. Tout simplement. Voilà. Et puis après, vous allez cliquer, c'est comme si vous allez recevoir une quête. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo sur le flea market et pour vous dire que je vais me relancer sur Escape from Tarkov. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Je fais plein de vidéos sur plein de jeux, etc. J'ai le site de mon association www.balocu.fr, donc j'ai un Discord avec mon association, n'hésitez pas à venir, à sympathiser avec tout le monde, on est une grande famille, blablabla. C'est très convivial, très 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 sympa. Je vous dis à très bientôt, et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao, bonne soirée.